If you had much class, it sound like I had. You will be so glad, I see why you so mad. I'm born with it, like Marvin and Norm with it. Yo, you're born with it, the way we perform with it. You gon' get it, the rebuttals are long-winded. The song ended if you satisfied. It's all brilliant, yeah, like Kevin Lockery. Got some page wallet, he's blinded by the mockery. Time is never stopping me, drop the clue. Connected but cutting new on the 1, 2. That's it, fellas. You know, we got to get this done, bro. Yo, you know how we got to make it. What? We got to make this get out. There's only one capable, breaks the unbreakable melodies, unmakeable patterns, unescapable, whatever we aim at. We line them up, the party is weak from the same rap, time's up. We paying homage as well as returning favors. Candy for your ears, hear us now, or hear us later. We will be capable, make no mistake if we break a few rules, make a few moves, and drop a few jewels on top of your views. Unstoppable dudes, using third optical tools to rock a few crews. You got it confused, melodically. Ce soir, pour la première fois, nous avons vu les championnats de France de combat kung-fu traditionnel avec un type de règlement nouveau qui permet aux licenciés de s'exprimer avec un type de combat de kung-fu ancien. Cette version de combat kung-fu s'adresse aux personnes qui veulent s'exprimer autrement que par le sanda. Je pense notamment aux personnes qui s'entraînent que dans leur style d'école, comme le Wing Chun par exemple, le Choli Foot ou d'autres types de Kung Fu traditionnels, pour en citer d'autres, comme le Hungar. Et donc tous ces styles peuvent se retrouver dans ce style de combat qui leur permettra de s'exprimer pleinement. Alors la différence principale avec l'ancien Sanshu, c'est que nous avons là des techniques de poing au visage autorisées, également des techniques de genoux et de coudes. Avec le sanda, la différence apparente, c'est déjà la tenue. En sanda, nous évoluons dans une tenue qui permet aux combattants de mieux s'exprimer en version pied-poing-projection. Là, nous sommes sur des techniques de kung-fu ancien, des techniques de kung-fu traditionnel, et donc les tenues sont des tenues d'école. Les techniques de kung-fu ancien traditionnel que nous employons dans ce type de compétition sont des techniques qui peuvent être des techniques de main ouverte, de poing revers, des techniques de genoux et de coudes également. Alors l'équipement, en plus de la tenue d'école, est un casque avec une visière en plexi pour éviter les blessures, des gants adaptés aux saisies et des chaussures de kung-fu traditionnel. C'est un règlement que nous avons mis en place en début de saison, mais ce règlement est amené à évoluer au cours des différentes compétitions. Nous avons recueilli les avis des uns et des autres, des arbitres, des compétiteurs, mais également des entraîneurs. Nous en tiendrons compte pour l'évolution de ce prochain règlement. Yo, if you had much class, it sound like...